Bienvenue sur WatchMojo, ici Axel, et aujourd'hui on se fait le top 10 des suites de films teasés mais jamais réalisés. Guys, I got it. Ready? Yeah. Pour cette liste, on s'intéresse aux films qui prévoient des suites directes et qui, pour une raison ou une autre, n'ont jamais vu le jour. Bien sûr, il ne faut jamais dire jamais, mais il est juste de dire que les réalisateurs ont fait un peu trop de zèle. Comme des points importants de l'intrigue seront abordés, une alerte spoiler est de rigueur. Quelle suite non réalisée souhaitez-vous voir? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Numéro 10, Godzilla. En 54, Godzilla a fait sa première apparition dans les films japonais du même nom. Depuis, des dizaines de films y ont été consacrés. En 98, une version américaine sort sur grand écran. Réalisé par le duo scénariste-réalisateur qui nous a donné Independence Day, le film devait être le premier d'une trilogie. La scène finale montre l'éclosion d'un des œufs de Godzilla, suivi d'un rugissement typique. Malgré son modeste succès financier, le film n'a pas été apprécié par la critique et tous les autres projets ont été annulés. I think we should leave now. I think that's a good idea. Numéro 9, Les 4 Fantastiques. We open this door, we're gonna close it. So what's the plan? Bien avant que Marvel ne devienne un titan du cinéma, elle a cédé la licence de ses personnages à d'autres studios. Bien sûr, cela donnait lieu à d'excellents films, mais aussi à d'autres moins bons, notamment les précédents films des 4 Fantastiques. Ainsi, lorsque la Fox a sorti l'itération de 2015, il y avait de grands espoirs et des plans pour des suites, avec la scène finale teasant la formation officielle de l'équipe. Which reminds me, I think that the four of us should have a name. Why would we need a name? Because we're a team now, and there's four of us, so we should come up with a name for it. Mais à cause de nombreux problèmes de production et l'interférence du studio, le film a malheureusement été un bide. I promise you I'm going to fix this. I stopped believing in your bullshit a long time ago. Déchiré par les critiques et détesté par les fans, la suite prévue a été rapidement annulée. Heureusement, l'acquisition de la Fox par Disney en 2019 a permis à Marvel de récupérer les droits cinématographiques, et les 4 Fantastiques du MCU sont actuellement en cours de développement, et ça c'est une bonne nouvelle. What goes up must come down. Numéro 8, Independence Day, Résurgence. Au cours de l'été 96, le public a été frappé de stupeur et de crainte lorsque des faisceaux lumineux géants ont détruit l'Empire State Building et la Maison Blanche. Independence Day a été un énorme succès. Who's the man? Who's the man? Il a fallu 20 ans pour avoir une suite, et à la fin, les personnages voulaient attaquer la planète des aliens. When do we leave? We are gonna kick some serious alien ass. Les crédits défilent, et rien. Tous les projets de suite ont été rapidement abandonnés lorsque le film n'a pas connu le succès de son prédécesseur. C'est probablement une bonne chose que Résurgence n'ait pas été commercialisé comme le premier d'une série de deux, comme prévu à l'origine. You're grounded until further notice. Can I still watch TV or... Numéro 7, Airplane 2, The Sequel. I want to know absolutely everything that's happened up to now. Well, let's see. First the earth cooled, and then the dinosaurs came. Le film original Airplane a été écrit et réalisé par les légendaires parodistes Jim Abrams et David et Jerry Zucker, dont aucun n'a été impliqué dans la suite. À la toute fin du générique du film, une carte titre est affichée pour Airplane 3, qui est ensuite immédiatement moqué par le personnage de William Shatner, Buck Murdoch. That's exactly what they'll be expecting us to do. Les producteurs ont bien essayé de réaliser le film, mais Robert Hays, l'acteur de Ted Stryker, a d'abord refusé d'en faire un autre, déclarant « On passerait vraiment pour des guignols si on faisait une suite ». Ouais, c'est pas faux. And I guess it's in God's hands now. I'm Father O'Flanagan. I'm a man of God. And you must trust me when I say it's very likely that we're all going to die. Numéro 6, Bubba Hotep. Just what are you getting at, Elvis? I think you know what I'm getting, Mr. President. We're gonna kill us a mummy. Imaginez que vous proposiez cette idée à un studio de cinéma. Et si un Elvis Presley âgé et un John F. Kennedy noir se retrouvaient dans une maison de retraite pour combattre une momie mort-vivante? C'est en gros l'intrigue du film Bubba Hotep de 2002, avec Bruce Campbell et Ossie Davis dans les rôles d'Elvis et JFK. Don't make me use myself on you, baby. Malgré ses prémices étranges, le film a été un succès critique et comportait une carte titre à la fin du générique, indiquant qu'Elvis reviendrait dans Bubba Nosferatu, Curse of the Shiv Empires.
Conçu à l'origine comme une blague par le réalisateur, des scripts auraient été écrits et des plans élaborés, mais aucun film n'a jamais vu le jour. Always the questions, never the answers. Always the hopes, never the fulfillment. Numéro 5, l'incroyable Hulk. I have someone who'd like to meet you. Okay. It's Mr. Blue, isn't it? Mr. Green? La première apparition de Hulk dans le MCU a eu lieu en 2008, lorsqu'Edward Norton a incarné le monstre vert et furieux. Au cours du film, Bruce rencontre Samuel Stearns, avec qui il a collaboré en ligne pour trouver un remède à sa maladie. Il est lui-même exposé au sang de Bruce ensuite, et on peut le voir sur le sol avec le front qui palpite. Ça laisse présager qu'il pourrait bien devenir l'alter ego du personnage de la BD, le leader, dans un prochain film. Cependant, les plans de Marvel pour Hulk ont changé lorsqu'il a été refondu pour le film Avengers. Now might be a really good time for you to get angry. That's my secret, Cap. I'm always angry. Il y a cependant de l'espoir, car l'abomination, le méchant de l'incroyable Hulk, est apparu dans Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Alors, qui sait, on verra bien. That hurt, Emil. You want me to show you how it feels? Numéro 4, Green Lantern. There is no way you can succeed. You will die, Hal Jordan. And I'll die trying. Good luck, Green Lantern. Le film Green Lantern devait à l'origine être le coup d'envoi de l'univers étendu de DC, mais tout s'est écroulé une fois qu'il est sorti en salle. Plombé par de terribles critiques, des effets spéciaux épouvantables et une déception généralisée des fans, toute chance d'une suite ou d'une franchise s'est éteinte au moment où Ryan Reynolds a fait de son mieux pour prétendre qu'il portait un costume de super-héros CGI. Wow. I know, right? Dès la séquence demi-crédit où la vraie méchanceté de Sinestro est révélée, nous savions tous que cela ne se réaliserait pas. Du coup, on verra bien si on aura quelque chose un jour. Mais si c'est le cas, il faudra que ce soit très bien pour qu'on oublie ce qui s'est passé auparavant. Numéro 3, la série Divergente Allégiante. Il s'agit du troisième épisode de la franchise Divergente, basée sur la série de livres pour jeunes adultes. Comme pour The Hunger Games, les réalisateurs ont décidé de diviser le dernier livre en deux films, nous donnant Allégiante en 2016 et une suite attendue, Ascendante. Allégiante se termine avec les héros émettant un appel à l'action, mais l'appel n'a jamais été répondu, puisque le film n'a jamais été réalisé. So here we stand, together, not as five factions, but as one city. And we're gonna tear down their wall. Allégiante a été un échec au box-office, et la star Shailene Woodley a même failli quitter le métier d'actrice en raison de la mauvaise qualité du film. Le studio a essayé de transformer le quatrième film en série télévisée, mais les gens semblaient encore moins intéressés par cette perspective. Ils auraient vraiment dû faire un dernier film quand ils le pouvaient encore. Chicago is not your experiment. It is our home. And it always will be. Numéro 2, The Amazing Spider-Man 2. Lorsque Sony a annoncé qu'il rebootait la franchise Spider-Man si peu de temps après la sortie de Spider-Man 3, cela a suscité de nombreuses critiques. Heureusement, l'interprétation d'Andrew Garfield dans le rôle de l'homme araignée a suffisamment impressionné. Tell me more. How many men did you have in mind? I want to keep it small. Everything you need is already at Oscorp. Le studio avait prévu de créer un univers entier autour de cette franchise, comme en témoigne la pléthore de teases sur les méchants Sinister Six à la fin du film. Mais après The Amazing Spider-Man 2, tous ces projets ont apparemment été annulés. Stay with me, stay with me, stay with me. Mais tout n'est peut-être pas perdu. Depuis le retour de Garfield dans Spider-Man No Way Home, les fans ont réclamé à Sony de terminer la trilogie. Qui sait ce que l'avenir nous réserve? I knew you'd come back. Yeah, thanks for stepping up for me. Avant de vous dévoiler notre meilleur choix, voici quelques mentions honorables. Batman et Robin. On aurait aimé voir plus de cette Batgirl. We're going to need a bigger cave. L'histoire du monde, partie 1. Franchement, qui ne voudrait pas voir les Juifs dans l'espace? Eragon, qu'est-il arrivé au dragon de Galbatorix? La momie, le Dark Universe est mort dès son lancement. Welcome to a new world of gods and monsters. Les maîtres de l'univers, Skeletor est revenu, mais pas dans cette version du personnage.
I'll be back. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. Vous avez la possibilité d'être notifié pour des vidéos occasionnelles ou pour toutes nos vidéos. Et si vous êtes sur votre téléphone, assurez-vous d'aller dans vos paramètres et d'activer les notifications. Et le numéro 1 de cette liste est Justice League. Ce film était censé être la version DC de The Avengers, avec une collection de héros majeurs affrontant les plus puissants méchants. Au lieu de ça, on a eu des bonnes scènes d'action, certes, mais un méchant qui manquait de gravité. Why does everyone keep telling me that? La scène de post-crédit présente une conversation entre Lex Luthor et Slade Wilson, alias Deathstroke, dans lequel Lex propose qu'il crée leur propre ligue de méchants pour contrer celle du titre. We have to level the playing field, Mr. Wilson. To put it plainly, shouldn't we have a league of our own? Mais on dirait qu'ils ont un peu vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Le montage alternatif bien mieux reçu de Zack Snyder's Cut Justice League présente une autre version de la fin, dans laquelle Luthor révèle l'identité de Batman. Mais qui sait si quelque chose en sortira? His name is Bruce Wayne. On second thought, we do have something to celebrate. Good boy. Vous êtes d'accord avec nos choix? Regardez ces autres vidéos sur WatchMojo, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. C'était Axel, merci d'avoir regardé, et à la prochaine.